Du nouveau à Clisson dans la restauration orientale avec le Sanya, spécialité cambodgienne et Asie du Sud-Est. Sanya, un nom plein de promesses. Alors, dans notre pays, quand on met un nom d'un restaurant dans quelque chose qu'on tient vraiment, on voulait toujours qu'il signifie quelque chose. Donc Sanya, ça veut dire promesse, et pour nous, c'est la promesse de réussite, c'est la promesse de beaucoup de choses. Comment est-elle donc cette cuisine du Cambodge ? La cuisine du Cambodge, on utilise beaucoup d'épices, la citronnelle, du piment, du curry, voilà, produits frais toujours, et puis beaucoup de légumes et des poissons, des fruits de mer. Et est-ce que vous l'adaptez un petit peu à la France ? Oui. Pourquoi ? Pour avoir plus de clients, il faudra adapter la cuisine à notre culture. Donc il y a des choses qu'on adapte, comme le poulet gros douce. Au Cambodge, on ne mange pas du poulet gros douce, mais on a adapté au goût par rapport à la culture française. C'est-à-dire que par rapport à chaque culture, les gens apprécient différemment la nourriture. C'est ça, exactement ça. Parce que moi, si je fais vraiment de la pure vraie cuisine cambodgienne, ici, eh ben, je pense qu'on aura moins de clients quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle est vraiment de totalement différente de la cuisine cambodgienne au Cambodge ? Cuisine française. On sert un plat unique, ça veut dire on met la garniture et le morceau de viande, alors que la vraie cuisine de chez nous, c'est plutôt un bol de riz avec plusieurs plats. Donc on mange un bol de riz et en général on a trois plats, trois petits bols à côté, on met un petit condiment à base de légumes, après on met un plat de soupe et l'autre un plat, un bouc sauté, légumes, viande ou poisson. Donc plus de choix. Plus de choix, mais bon, après, c'est par petite quantité. Ça, c'est pure cuisine de chez nous. Alors, je crois également que vous ne faites pas que de la cuisine cambodgienne, mais c'est vraiment l'Asie du Sud-Est. Hein. Oui, enfin, on peut dire ça parce que nous, on pioche la spécialité de chaque pays. Et puis après, on fait à notre recette, bien sûr. On crée une recette à nous et puis on met en place au restaurant. Après un cursus de restauration traditionnelle française, BEP hôtellerie, une mention traiteur avec apprentissage, le chef séjourne au Cambodge pendant un an à la découverte des épices et des saveurs cambodgiennes. De retour, il décide avec sa femme de créer son restaurant à consonance asiatique. Vu que moi je connaissais pas mal les épices, ma femme est d'origine du Cambodge, elle connaît aussi pas mal de recettes. Du coup, nous on a voulu mélanger les deux pour essayer d'apporter un nouveau concept dans notre région. Et puis voilà, et faire découvrir aux gens la cuisine asiatique aussi. Et française. En sachant que c'est très différent du restaurant chinois, thaïlandais et vietnamien traditionnel. C'est ça, c'est complètement différent. C'est vraiment, on a rajeuni un peu la cuisine typique qu'on peut trouver chez les Chinois, thaïlandais ou vietnamiens. Alors que peut-on trouver justement dans votre cuisine ? Bah, chez nous, on est à spécialité des wok. Donc c'est des nouilles sautées avec des légumes sautés aussi. Après, on met de la viande, du bœuf, du porc. Du poulet, et puis on rajoute une sauce et puis asiatique, tout ça, et puis c'est surtout pas piquant, c'est ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on peut retrouver souvent chez les Chinois ou autres, c'est assez piquant, assez relevé, alors que chez nous on a décidé de bien doser les épices pour satisfaire un peu tout le monde. Ouais. Donc beaucoup d'essais, je pense. Beaucoup d'essais au début, ouais, c'est vrai. Je sais pas, peut-être une 15-20 wok d'essais sur chaque plat. Et puis on a fait un tri, on a calé sur une carte, et puis il y a une nouvelle carte qui va arriver avec d'autres nouveaux wok, justement, surprenants, on espère. Donc on peut manger chez vous et emporter. C'est ça, emporter de 18h à 21h30, et pareil de 18h à 21h30 sur place. Le Sanya vous offre une ambiance chaleureuse, une restauration atypique, constituée de produits frais, servis à l'assiette sur place ou en box à emporter. Le restaurant Sanya, situé à Clisson, au 21 rue Ferdinand Albert.